Et salut les amis, eh ben encore en tenue de vélo aujourd'hui, hein. Ça tient, c'est dur, mais ça tient. Du coup, je comptais aller rouler tout seul parce que les colis et les copains, ils allaient à la Boudouvin et je redoutais la sortie parce que ça va faire mal. Mais comme il y avait un collègue qui n'avait pas de bagnole, ben du coup, j'y suis allé. Donc aujourd'hui, je sais avant de commencer que ça va râler. Allez, ça part de là. Allez, ça part de là, comme tu vois, ça partir directement en montée, là tranquille, jusqu'à la route, et puis après on va continuer à monter le coudon par la route. Donc il y en a pour un moment, surtout pour moi. J'espère qu'on va pas aller jusqu'à la citerne parce que ça fait une deuxième partie et ça va être super dur, mais bon, au contrario, il y aura de belles descentes, mais faut-il être encore assez lucide pour les faire. Donc on verra bien, mais c'est une sortie qui va encore faire travailler, donc il faut passer par là. Bon ben voilà, j'étais parti un petit peu en avance pendant qu'il blaguait. À 600 mètres, ils m'ont déjà rattrapé. Et je peux que les regarder partir. Je peux même pas essayer d'accrocher, c'est même pas la peine. Ça fait mal quand même. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on est dans le tronçon en route. On a déjà fait 170 mètres de dénivelé pour 2 km 50. On s'accroche. Après, un peu plus haut, je vous montrerai un beau petit point de vue. C'est un petit peu le cadeau pour autant souffrir. Bon, heureusement, il y a les copains, ils font les allers-retours, ils me motivent bien. Ça fait que je roule pratiquement pas tout seul et ça aide. Allez, on est presque en haut de la première partie. Je sais pas si après on coupe là ou si, comme je vous ai dit, on va à la citerne. J'espère pas. On verra bien. Allez, je vous avais promis un petit point de vue. C'est pour ça qu'on souffre. Ah oui, mais du coup j'ai repris les sourires. Alors, on n'est pas allé à la citerne. On a quitté la route. Hein. C'est déjà un petit peu mieux. Allez, c'est parti. Un petit peu de descente. Je sais pas où on est. Ouh là là. Bon, je vous avais dit qu'il y aurait de la belle descente. Ça passe. Là pour le redérailleur, j'ai eu peur du dérailleur. Allez, à fond là, y'a pas de choix là. À l'arrache. Tant pis, il n'y avait rien de propre. Oui. Oh, que c'est bon. Oh!
quoi, on manque de muscles. Je commence à avoir les bras. Ouh, j'ai mal. On est terminé pour cette première descente. Ben, ça fait du bien. Ouh, je tombe, ça glisse. Là, on va longer le terrain militaire. Et on va basculer de l'autre côté. Allez, ça pédalouille toujours. Je crois qu'après ça va descendre encore un petit peu. Là, je crois qu'on va côté Rovest. Si j'ai bonne mémoire. Hein ? Ouais. Allez, ça descendouille encore un peu comme je vous l'avais dit. L'inconvénient le matin là, c'est que tu as ce soleil rasant qui te tape dans l'œil et tu vois que dalle du coup. Le mec il se plaint parce qu'il a du soleil. Tu crois toi? 9h du matin il fait déjà plus de 10 degrés. Et tout à l'heure je vais me plaindre. Par contre ça glisse là. Hein. Ça glisse oui. Allez maintenant, ça va repédaler un petit peu. Tranquillement. Bon allez, on est parti en pédalant là jusqu'en haut du lac du Rovest pour faire la descente justement qui va nous descendre au lac. J'ai pas souvenir, je me rappelle plus. Ça monte beaucoup ou pas beaucoup. Je sais que sur la fin ça monte un peu, mais je me rappelle plus, alors on verra. On verra bien. Bon ben changement de programme. On va pas comme je pensais. On coupe, enfin on va par la ferme de je sais plus où. Et je crois que si j'ai souvenir ça monte plus. Du coup ça me change tous mes plans psychologiques là, je m'étais fait là tu vois. Je m'étais dit bon ça va monter dur qu'à la fin. Parce qu'après le Rovest malheureusement on va remonter dur. Mais du coup là, ça je l'avais pas prévu. Donc eh ben va falloir un petit peu plus s'économiser quoi. On verra bien. Ouais. Non mais vas-y, tranquille là pour l'instant. La ferme de Sioublanc de je sais plus où. C'est pas de Sioublanc, c'est de touristes, non? C'est ça, c'est une ferme quoi. À un moment donné, voilà, c'est une ferme. Quelque part dans le Var. Et puis voilà. Mais c'est super beau. Allez, ça monte encore. Du coup, ça monte beaucoup plus de ce côté. On va mettre mes pédales. Allez, c'est parti. Je sais plus. Je crois que je l'ai faite une fois, celle-là. Je sais honnêtement plus où je suis là. Je sais que la fatigue se fait sentir là, que je suis moins serein sur le guidon. Se voit, je vais beaucoup moins vite et quand tu vas moins vite forcément c'est beaucoup plus dur. Je parle un peu moins là, mais je commence à me connaître quand je parle pas.
c'est que je suis concentré, c'est que je peux pas parler. Donc on va tout en bas là. Donc elle est loin d'être finie. Je vais le faire parce que j'en peux plus. J'ai des crampes aux jambes. J'ai du mal à tenir. Là, je sais plus où on va. On va attendre là, les copains. La descente, quand t'es fatigué, je trouve que c'est pareil que quand t'es remonté. Tu subis. Un petit peu. Bon ben en pleine descente, nous on trouve le moyen de remonter. Plus personne qui sait où il faut aller. Donc voilà, on tricote. Allez, on va mettre la caméra un peu en route apparemment. Ça descend douille un peu là, je sais plus là, ça fait que des coups de cul. Je sais plus où je suis là les enfants. Je suis perdu. Changement de décor. Ça part par là? Je ne sais pas, enfin, je crois pas. J'aime bien parce que du coup, un peu moins rocailleux. C'est sympa. Allez, ça repédale un peu. Allez, c'est reparti pour une petite ascension. C'est joli. Et ça monte. Hein. Ça monte et c'est pas propre. Donc c'est un petit peu plus difficile. Ah, je me retrouve à côté du vélo, tiens. Je suis pas tout seul aujourd'hui. Allez, du coup, on redescendouille un peu. On va voir où ça nous mène. On sait pas. Ouais, je prendrai en bas, moi. À gauche, à droite. Moi, je prendrai à gauche. Okay. Oh, ça passe. Je me suis cagué dessus, mais c'est passé. C'est vrai. Allez, c'est un petit peu coupé la descente, mais bon. On regarde un petit peu sur le GPS, on regarde où on va. Donc excusez-moi pour ça. Ben, c'était bien bon. Bon, ben tu t'amuses 30 secondes
et tu prends la sentence juste après. Ah, c'est la misère. Ouh, dur les amis là. Dur, dur, dur. Bon, enfin, c'était faisable quand même. Hein. C'est mieux. Là, on va arriver à la route. Enfin, on est déjà là. Après, je sais pas s'ils vont, eux, vont remonter pour reprendre la descente un peu plus haut. Moi, je pense pas. Je pense qu'à la... Quand j'ai rejoint la DFCI, quand on a fini à remonter ce matin, je pense que je me fais les descentes de là jusqu'aux voitures tranquillement. Comme ça, je reste dans une sortie plaisir. Je me dégoûte encore pas. Après, je sais pas, on n'a pas fait énorme en distance. Du coup, on a fait 14 km. Là. On en est 556 mètres de dénivelé, donc autant que la semaine dernière. Donc, c'est pas mal quand même. Même s'il y a moins de kilomètres, on a fait autant de dénivelé. Donc, c'est qu'on a travaillé forcément un petit peu plus. À voir. Allez, un petit peu de gourmandise. Je me suis laissé entraîner encore. Là. Fait chier, je suis faible. On se remonte un petit peu le coudon pour aller chercher la descente un peu plus haut, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Enfin, voilà. Je suis vraiment faible. Vraiment, vraiment faible. Enfin, en même temps, si je le fais, c'est que je peux. Donc, c'est bénéfique. Wouh ! Allez, ben là, maintenant, normalement. On devrait s'amuser jusqu'en bas, enfin s'amuser quand t'es pas fatigué. Allez, les roux, les roux. Ah, t'es parti par où? Ah, il est perdu. Allez, on va essayer de se faire plaisir maintenant en descente. Hop là. Voilà. Pour se faire plaisir, on va se faire plaisir. Allez, vitesse. De toute façon, on connaît rien, donc on verra bien. On aura les surprises en même temps. Hein. À venir. Pourquoi? Pas trop sur la roue arrière. Il y en a un qui me met la pression derrière. Je sais pas qui c'est. Bonne, ouais, ouais, ça va. C'est toi? Ah. Ça, c'est l'ennemi des dérailleurs. Oh, c'est pas encore ça en descente. Hein. Oh putain, oh, tu vois plus rien. Inch'Allah. Ah, c'est pareil. Faut arriver à garder de la vitesse. Si tu veux de la stabilité. Un peu le dos qui tire même beaucoup. C'est dur de garder une position sur le vélo. Allez, c'est festival de descente. Je crois que c'est par là. Bonjour.
pas où on va là. Je sais pas où on va. Il y en a plein qui descendent entre. Bon, ma petite sortie finie. Ça va, on n'a pas tant morflé que ça. C'était dur, mais ça va. Ça va, ça va. Ah, Jean-Louis ! Casser les chaussures. Casser les chaussures. Putain, prends soin, même pas soin du matos. Casser le poignet, il a tout, tout pété. Mais on sera quand même là dimanche prochain. Je sais pas. Bon, moi je vais essayer en tout cas, je vais essayer. Une très belle sortie. Belle sortie, bien cassante, bien physique. Ça, ça fatigue quand même. Allez, moi je vous dis à dimanche prochain. Ciao les amis.